Bonjour et bienvenue sur la chaîne Donuts Gaming. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur la Xbox One dans le mode multijoueur de Rise Son of Rome. Ouais, puis ça va être moi qui joue la première parce que c'est mon tour. Bon, on va starter un nouvel extrait. Allons-y. Juste pour préciser, l'extrait va durer juste 5 minutes. J'espère que nos réactions ne soient pas toujours en même temps. Veuillez. Être indulgent. Merci. Et après ça, tu vas passer sur ça, et après, tu te retournes dans l'écran de jeu, mais là, tu sélectionnes. Et voilà. Ouais. Bon, on va commencer. Ouais. Let's go! Moi je vais choisir Apollon. Parce que je suis beau. Désolé. C'est moi qui porte des petites culottes. C'est des gladiateurs, pauvre con. C'est pas une question d'être con, juste qu'on aurait dit les genres de culottes roses, si c'est le cas. Et pas très masculines. Sont roses! Ah. Bon, on peut remarquer la belle qualité graphique. Ils ont mis l'accent surtout sur les fesses qui débordent un peu du caleçon. Ouais. Regardez les belles fesses musclées. Je l'ai eu, hein? Ouais. Ceux qui vont mourir se saluent, César! Et ça, c'est les ennemis qui sont en ligne aussi? Les ennemis, c'est à l'ordinateur, ça? Je crois. Ça s'annonce être un beau mode. Mm-hmm. Regardez, il y a beaucoup de sang. Succès déverrouillé pour Minou vers G36C. Ouais, je vais avec mon profil. Ouais, je vais laisser être sûr que ça reste allumé. On juste mon profil parce que, J'ai pas de... J'ai un compte, mais j'ai pas Xbox Live Gold. Fait qu'on jette le lien. Ouais. Sur ma Xbox One. Non, en fait, c'est la mienne, mais je veux pas l'être. Ta gueule. J'ai déjà voulu que tu perdes la mémoire. Désolé, c'est la mienne. Oh, rage! Bon, vous pouvez remarquer la rapidité avec laquelle il donne les coups. Ouais. Le but, c'est de faire Y pour ensuite déstabiliser parce qu'il y a un bouclier. Personnellement, je trouve que ce jeu-là me fait penser à 3 stars. Sans les scènes de nudité. Féminine. Oui, je sais, je suis beau. Je suis grand. Je suis le roi de Sparte! C'est grand talent. Il se rend tout le temps avec 300 lui aussi. Ah! Sinon, moi ce qui me mêle avec ce jeu-là, c'est que pour contrer, tu peines sur A. Tandis que moi je suis habitué de jouer à Batman Arkham, ces jeux-là, sur 360. Et pour contrer, c'est Y. Je me trompe souvent, fait que ça, je me fais pas mal taper. C'est un point mêlant, mais sinon, graphiquement, tout ça c'est excellent. La jouabilité, ça fait pas tout le temps ce qu'on veut. Ouais, ça devient un peu lassant des fois, là. C'est toujours la même but. Assez répétitif, oui. Mais sinon, honnêtement, ce jeu-là est malade. C'est... On en a pris le Chaudronville. Pour 50$ plus les taxes, 57 et quelque chose, c'est un bon prix pour ce jeu-là.
Et là, je dis, je parle en dollars parce que nous, on est au Québec, hein, fait qu'on on calcule pas en euros. Mais je pense que dans l'Europe, à l'Europe, en Europe, peu importe, en Europe. Arrête de justifier. Je pense que c'est. Oui, c'est dans l'euro, mais je pense que c'est genre dans 60 euros. Bon! Faut enfin, peut-être que je vérifie avant de gagner. Oh, tiens, t'as un autre succès! Tiens! Avec moi, tu m'attaques? Il t'attaque pas! Il voulait se battre lui aussi avec les ennemis! L'enregistrement va bientôt finir. Il reste 10 secondes. Bon, ben, le gaming lag est terminé. On va en faire un deuxième d'ici pas très longtemps. Merci. Ouais, une deuxième partie. Ok. À plus.